Bien, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de notre émission « C'est arrivé comme ça ». Donc, je suis Pierre-Emmanuel et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter un ami aussi, et qui est le, le pasteur Guy, qui est sur Saint-Éloi-les-Mines en Auvergne. Donc, il va nous partager un peu son, son histoire, son témoignage et comment euh, il est arrivé là. Jusqu'à aujourd'hui, le, le parcours un petit peu euh, qu'il a amené là, a, vous allez voir, il y a des choses extrêmement intéressant donc bonjour bonjour Pasteur Guy comment ça va bonjour Pasteur bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute Oui, et eh ben écoute on, on est là on est impatient d'entendre de, un petit peu ce que, ce que le Seigneur a fait dans ta vie et comment tu es parvenu jusque là alors on t'écoute bien ben le parcours ça va être un peu long je vais essayer d'abréger vite je voudrais juste dire d'abord que un enfant qui n'a pas reçu d'amour ne peut pas Donner d'amour. Ma mmh. maman n'avait pas reçu d'amour. Elle n'a pas pu m'en donner. J'étais un vase vide, plein de colère, d'amertume, etc. Et euh, j'ai été élevé, donc euh, d'abord, je n'ai pas donné mon âge. Euh, je suis né donc, en 1945 après la guerre, mmh. dans des conditions assez difficiles. Cette enfance, dans une famille d'agriculteurs où il y avait euh, beaucoup de souffrance, je viens de dire, de la colère. J'ai vu des piles mmh. d'assiettes cassées, j'ai vu de l'alcool toutes ces choses-là et une détresse dès 7-8 ans qui était terrible, mmh. où on rentrait de l'école et où on n'avait rien mangé, la maman était partie, le papa travaillait dans les champs. et Pour un enfant, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous accueille. J'avais, euh, avec mes frères et sœurs, on était cinq, on se contentait de manger du pain sec, mmh. où on allait traire la vache, on tirait le lait, on mettait le pain sec dedans mmh. et on allait se coucher, on n'avait pas faim. mais ça montre le, euh, le vide. C'est une période dure aussi, après-guerre. Euh... C'est ça, très ouais, difficile. Où je vais en venir, c'est que rapidement, maintenant, euh, je voudrais dire que je suis arrivé donc, à l'âge adulte où je me suis marié. J'ai rencontré Simone. Et euh, Simone, euh, on s'est marié, mais elle n'a jamais pu me partager ce qu'elle avait vécu dans son enfance. Et vous allez comprendre pourquoi. Pendant 24 ans de couple, elle n'a jamais pu m'en parler. Donc, couple non chrétien, bien sûr. Mm -hmm. Et euh, où elle souffrait, où elle n'a jamais pu s'ouvrir. Et je voyais qu'il y avait des choses dans l'intimité qui ne fonctionnaient pas. Et je ne savais pas pourquoi. Et puis, 24 ans après, donc, on s'est trouvé autour d'une table avec un pasteur et une dizaine de personnes à laquelle on priait. Mm -hmm. Et ils lui ont amené à dire, mais tu as des prières occultes. Et euh, on aimerait que tu nous donnes ta prière. Mais main je voudrais vous dire, elle a amené ce témoignage de son enfance, où moi qui étais là, 24 ans de couple. C'est là que tu as découvert <laughs> sa, une, une partie cachée de son histoire, voilà. de, de ton épouse. Et là, tu, tu tombes des nues, mais mmh. j'ai compris tellement de souffrance. Oui, parce oui. que je veux parler donc, de, de sa prière qu'elle avait occulte. Mais je veux parler de ce qu'elle a vécu avec son père, surtout, c'est ça, c'est qu'elle a vécu l'inceste de 8 ans à 13-14 ans, où elle n'avait jamais pu m'en parler, où le matin, à 5 heures, il la faisait lever pour aller aider avec les vaches, et en réalité, la maman dormait, mais bon, est-ce que la maman était au courant Ça a duré plusieurs années, mais il se trouve que, eh bien, pendant ce temps-là, le matin à 5 heures, il l'incestait. Et ça veut dire que ça l'a complètement détruite. Mmh. Mais la bonne nouvelle pour ceux qui écoutaient, c'est qu'aujourd'hui, Simone s'occupe de ministère femmes. Et aujourd'hui même, elle est en, en, en conférence où elle amène des femmes mmh. à la guérison à travers son témoignage. Et je voudrais vraiment glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit a agi pendant des années pour la guérison parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour vous dire simplement maintenant, je reviens. C'est que Simone, sur sa famille, il y avait une prière occulte. Mmh. Donc, une prière occulte, c'était un, comme une espèce de prière magique, un petit peu, qu'on lui avait transmise et qui faisait ce, certaines choses, mais qui était, euh, qui était une forme de, de, de magie, de sorcellerie en réalité. C'est exactement ça. C'était carrément de la sorcellerie. Mmh. Parce que cette prière, donc, c'est le même jour, ça se passe autour de cette table et on lui dit d'amener sa prière. Et là. Elle donne la prière, je vous l'ai dit rapidement, cette prière disait, euh, sang, elle arrêtait donc le sang, cette prière, sang de un tel qui, qui coule, pardon, oui, qui coule, rentre dans tes veines comme le sang de Jésus-Christ rentra dans les siennes au Golgotha. Abomination devant l'Éternel, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir fait science-po pour comprendre que le, le sang de Jésus n'est pas rentré dans ses veines, mais il a coulé. Et il a coulé pour détruire la malédiction et pour te rendre libre de, de la puissance du péché, etc. Mais l'occulte, il se sert des choses de Dieu, c'est un imitateur, Satan, et il prend cette prière et il en fait un mensonge et il fait croire des mensonges pour des vérités. Et ces gens qui étaient sous cette emprise, je veux dire, ça amène la malédiction. Simone a subi l'inceste, elle a eu des sœurs qui sont mortes de cancer, il y a eu toute. Une malédiction sur cette famille. Mmh. Et maintenant, je reviens sur ma propre famille. Nous étions dans les mêmes conditions, dans l'occultisme. On croyait les guérisseurs. Ma mère, tout petite, nous emmenait à des dizaines de kilomètres. On rentrait le soir, la nuit, elle n'avait pas peur. Nous, les enfants, c'était plus ou moins rentrer de nuit à 7, 8 ans, 10 ans. Pour vous dire que l'occultisme amène la malédiction. Sur Autrement la dit, je veux surtout dénoncer. Que beaucoup de gens qui écoutaient ce message, vous allez peut-être voir des guérisseurs et vous êtes sûr que, oui, ça guérit un temps. Mais Satan, il guérit ce côté, mais l'autre côté, il y a le revers de la médaille. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Mmh. Mais si tu es dans le sang de Jésus, si tu connais la parole de Dieu, tu annules la malédiction et tu peux vivre en liberté de vie parce que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Absolument. Amen. Absolument, absolument. Donc, en fait, vos deux familles, entre ton épouse et toi, il y avait euh, toutes sortes de pratiques, guérisseurs, magnétisme, occultisme, etc. Et donc, euh, ça crée toutes sortes de, de, de situations, de problèmes. Et comment vous en êtes venu à, à découvrir finalement euh, Jésus hein, Parce que occultisme, ça veut dire ce qui est caché, ce qui est obscur. Et comment vous n'êtes pas finalement de cette obscurité à, 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 la, à ce qui est révélé à ce qui est la lumière comment Allez, ça s'est passé parce que je sais que tous les deux vous servez dieu aujourd'hui depuis longtemps d'ailleurs donc quel a été le, le déclic un petit peu bien d'abord la parole de dieu dit qu'on a été choisi avant la fondation du monde et je le crois sincèrement parce que le cheminement ce que je dis par rapport à ce qu'on a vécu, c'est de longues années. <laughs> mais j'en rigole aujourd'hui, mais je peux vous dire, que j'en rigolais pas parce que j'étais tombé dans une détresse tellement forte. Mais pour revenir au passage de la parole de Dieu, on voit que Dieu avait la main mise sur nous. Au moment où douze années après notre mariage, il y a eu euh, cette euh, Comment je dirais, cette tempête qui arrivait sur le couple, comme la Bible dit dans Matthieu 7, 24, où la maison qui est bâtie sur le roc et la maison sur le sable, nous étions bâtis sur le sable. Et tout allait être emporté. Mais la main de l'Éternel était sur nous. Mmh. Parce qu'il nous a gardés. Et nous avons donc vu la main de Dieu, parce que, après ces, ce cheminement nous avons cherché dans les religions, entre autres... Je suis obligé de dire dans la religion catholique, mm -hmm. mais euh, quand j'ai cherché de tout mon cœur, j'ai vu que plein de choses n'étaient pas en accord avec ce livre qui est la parole de Dieu. Mm -hmm. Et qui est cette parole, elle est vivante, elle transforme une vie, elle amène la joie, mm -hmm. elle amène une vie sur un Et donc suite à ça. En cherchant de tout notre cœur, j'ai vu que j'étais pas encore au bon endroit. Nous allions dans des pèlerinages, nous donnions notre argent pour emmener des gens pour la guérison, mm -hmm. mais c'était pas la bonne réponse, on n'était pas au bon endroit. Mm -hmm. Et par la grâce de Dieu, c'est là qu'on voit que la parole de Dieu elle est vraie parce que mm -hmm. il nous a choisis avant la fondation du monde et autant marqué de Dieu, il a fallu rester un moment pour briser aussi le vase que j'étais en ce qui me concerne, dur, souffrant mais quand le vase a été brisé il a restauré et il nous a mis sur le chemin de l'évangile le véritable mmh. c'est-à-dire que nous avons été invités par des chrétiens mais des vrais qui lisent la bible mmh. alors qu'avant j'étais un chrétien sans eux mmh. un chrétien sans le oui. <laughs> et ce que je veux dire à partir de ce moment-là ce groupe de chrétiens qui étaient dans des églises évangéliques nous a emmenés dans des églises évangéliques et nous avons vraiment vu que c'était là qu'était que, que, qu notre place et nous avons cherché Dieu de tout notre cœur. Et trois fois par semaine, deux à trois fois par semaine, on faisait 100 kilomètres pour mmh. aller écouter l'Évangile. Mmh. Mais on y allait, on était fidèles, on en voulait et on a vraiment découvert la puissance du sang de Jésus. Mmh. Parce que c'est à travers le sang de Jésus, quand tu as la révélation de la croix, que ta vie peut changer, vrai. que ta vie est transformée mmh. et que là, tu peux dire à quelqu'un j'ai la solution pour toi. Mmh. Tu veux que je prie pour toi Tu as un problème J'ai la solution parce que c'est la croix, c'est le sang de Jésus qui a transformé ma vie, qui a transformé mon couple et qui aujourd'hui on peut être des serviteurs d'Éternel, le serviteur de la nouvelle alliance, mmh. non pas le légalisme. Mais la grâce est la vérité. C'est Jésus qui a amené cette grâce et cette vérité. Le légalisme, il amène à la mort, mais la grâce, à la vérité, elle amène à la vie. Absolument. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette histoire, <laughs> ce témoignage. Et euh, il y a aussi le fait que, euh, en connaissant l'Évangile, Dieu, petit à petit aussi, vous, vous a mis à cœur d'aider les autres, de servir, de partager votre histoire, votre témoignage. Et euh, jusqu'à ce que vous deveniez pasteur aussi. Donc, est-ce que tu peux dire un petit mot sur ça comment, que, Pourquoi vous vous êtes engagé là-dedans Qu'est-ce que, qu qui avait changé en vous pour que vous ayez eu ce, ce zèle jusqu'à aujourd'hui ben, Je crois que c'est toujours pareil. C'est Dieu qui met ça à l'intérieur de nous. Mmh. Je me revois en 1998. J'étais sur Dijon dans un séminaire de guérison. Mmh. Et. Je me revois, donc j'avais deux, trois années, quatre années de vie avec Dieu. Et je me rappelle avoir dit à Simone <laughs> C'est une joie. Nous servirons Dieu mm -hmm. dans notre cœur comme ça, mais ça ne venait pas de moi. Mm -hmm. C'est quelque chose que Dieu met dans ton cœur. C'est pas naturel. Mm -hmm. Et ensuite, je vais transmettre pour. Nous sommes rentrés et. Quelques années, un an et demi, deux ans après, nous t'avons rencontré, pasteur. Mmh, mmh. Et c'est de là que nous avons été sous euh, cette juridiction où on était responsable seulement de Saint-Éloi. Mmh. Mais euh, on ne se prenait pas la tête, on ne pensait même pas de devenir pasteur. Mmh. Tu nous avais fait confiance, donc tu venais toutes les semaines, mais c'était dans notre cœur. Je crois mmh. que Dieu, il suscite des vocations, Absolument. mais c'est lui, par le Saint-Esprit, qui met cette graine en toi. Mmh. Et cette graine, elle pousse chaque jour. Tout ce qui est vivant pousse, les arbres mmh. poussent, la nature pousse, mmh. mais la semence, elle pousse en toi. Mmh. Et elle porte un fruit et un fruit en abondance. Mmh. Ça veut dire qu'il faut glorifier le nom de Jésus. Mmh. Si tu espères devenir pasteur, alléluia, mais sache que c'est Dieu qui conduit les choses, et autant de Dieu, pas autant des hommes. Mmh. Absolument. Ben merci beaucoup, Pasteur Guy. Merci pour ce témoignage, cette vie changée hein, et cette vie qui, qui est utile, vos vies, votre couple qui, qui est utile pour servir Dieu, pour impacter les autres. Aujourd'hui, vous êtes sur une église hein, dont vous êtes les pasteurs, où il y a un groupe de louanges des jeunes, une action pour les adolescents, pour les réfugiés. Donc, vous portez du fruit sur cette ville de Saint-Éloi-les-Mines. Et vraiment, gloire à Dieu pour le, le fruit et. La vocation dans laquelle vous êtes. Vas-y, tu voulais ajouter quelque chose Je veux juste ajouter quelque chose. Bien sûr. On a parlé d'occultisme, il y a tellement de gens qui savent pas trop, qui croient, qui croient pas, tout est mélangé. Et je voudrais vous lire un passage de d'Héteronome, chapitre 18, verset 10, qui nous éclaire, clair et net, s'il le cas de le dire. En ce qui concerne l'occultisme, l'occultisme, ce sont des faux dieux, mmh. c'est une spiritualité des ténèbres, et les gens sont accrochés là-dedans, ils y croient parce qu'ils ont été guéris d'un certain sort, mais ils ne voient pas qu'il y a cette malédiction sur leur vie. Absolument. Et Dieu nous prévient dans hein, le Deutéronome 18 10, qui dit Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. Le métier de devin, moi je en tant que... Quand on cherchait, j'étais voir une dame qui m'a dit que j'étais docteur en Inde trois générations avant moi. Ça fait du bien, à votre ego, vous savez, mmh. mais c'est du mensonge, parce que la Bible dit qu'il est permis à l'homme de vivre une seule fois après quoi vient le jugement. Vous voyez comment on se laisse endormir. En Donc on ne trouve euh, ce personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Beaucoup de personnes, quand ils perdent leur papa, leur maman, leur bien-aimé, ils invoquent les morts, et ils parlent avec les morts. C'est de la sorcellerie, ce ne sont pas les morts qui répondent, mais ce sont des esprits diaboliques qui répondent. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Mmh. Amen Donc, mes amis, l'occultisme, retire-toi, appelle Jésus, invite Jésus dans ton cœur implore le sang de Christ qui a coulé à la croix mmh. et tu seras transformé comme moi j'ai été transformé, comme beaucoup d'autres que nous sommes ici en train de partager mmh. ont été transformés par le sang de Jésus-Christ, par la révélation de la croix. Et même si tu es seul, retiré dans une campagne, crie à l'Éternel, parce que la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Et c'est cela la réponse c'est que personne, Dieu n'oublie personne, n'importe où que tu es sur la terre, mmh. Dieu peut t'envoyer quelqu'un demain matin mmh. devant chez toi et qui t'amènera l'évangile. C'est surnaturel, c'est la puissance de Dieu. Mmh. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Tellement important. Donc, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On était avec le pasteur Guy et c'est Pierre-Emmanuel ici. Et merci à vous et à bientôt. Merci à vous tous.